Salut à toutes et à tous, c'est Rosset David. On se trouve pour l'épisode 20 ou 21. Non, 20. 20e épisode de Défiance. Et excusez-moi, j'arrive pas bien. L'introduction du jeu, c'est trop compliqué pour moi. Aïe. Et oh, Huck, on se calme Huck Shrek. Je bouffe ton âme, salopard. Sans plus d'en rapier. Pas le choix. Laisse-moi tranquille, le taureau. Allez. Oh putain. Oh putain, il est là. Caméra. C'est pas un corridor non plus. Allez, lâche-moi salopard. Tu vas crever salopard. On se calme taureau. Aïe. Casse-toi, toi, salopard. Allez, retournez en enfer. Aïe. Il va scanner par contre le monstre. Ah.
passer par l'entrée principale. Par ici. Le son est assez fort. Je n'aime pas trop cet endroit-là, Raviel. Qu'est-ce que tu en penses? Plongeons! Chose. Vous avez raison, il fallait péter un truc. Oh mon dieu, la gravité, on dirait qu'on marche sur la lune. Ah ben dis donc. Alors on va avoir un mini-boss. Enfin, c'est... Voilà, vous allez le reconnaître, je pense. Se sont sûrement suicidés pour ne plus entendre ta voix. Ne te prive pas de mes faveurs par ton impertinence, Raziel. Tu as fini par accomplir ta fonction. Je suis satisfait. Alors, qu'essaies-tu d'éviter? Qu'est-ce qui t'effraie tant à mon sujet? Ton destin est insignifiant, Raziel. C'est la destinée de Cain qui comptait. Un petit peu plus précis. Ouais.
D'accord. Qu'affronte. Toujours celle-là, je pense. Celle-là. J'ai envie de manger des sushis. Voilà. D'accord. En fait, en gros, frère, tout le type. Frère, j'utilise la vie. La vie que j'utilise, en fait. La maniabilité de ce jeu. Oh, le bruit affreux que ça fait ce truc. Pas eu le temps et voilà c'est ton foiré de caméra.
Allez, monte, vas-y. Sur le feu en fait. Attends, je crois avoir compris. En fait, c'était pas loin cette fois du début. Ouais, bon, on va falloir utiliser la rivière de glace. Elle est maintenant. Cette plateforme a fait un bruit insupportable. Oui, parce que vous êtes trop traîné, voilà. Elle attend la mouche. Il est un petit peu en train de mourir, à du moins de retourner dans la sphère spectrale. C'est quel là? Aïe. Thank you.
truc à faire. Fais une coupure et je vous reprends après. Alors on va essayer de voir. Bon, vous avez pas vu qu'il y avait un autre pilier en ailleurs. L'acte est accompli. La forge invoque l'esprit de chaque gardien vers elle dans ce but ultime. Ariel, toi? Oui, Raziel, mais je suis beaucoup plus que ce que j'étais. Le voile s'est levé de mes yeux. Mon esprit, uni aux âmes de mes prédécesseurs, est attiré ici pour le baptême final de l'épée. Pour rétablir l'équilibre, l'épée doit être purifiée par l'esprit. Libère-moi, Raziel. La Soul River en a le pouvoir. Libère-nous tous, car c'est pour cela que l'on nous a appelés. Tu as bien agi, Raziel, mais tu dois encore affronter une épreuve. Tu dois réunir ce qui a été séparé. Ce n'est qu'alors que le descendant de l'équilibre sera armé pour sa véritable mission. Alors, le feu purificateur embrasait la river. Mais au lieu d'être éclairé, je me sentais perdu face à des mystères encore plus grands. Yanos pensait que j'allais apprendre quelque chose. Mais quoi? Et ce message mystérieux d'Ariel? Si l'épée était faite pour le descendant de l'équilibre, pour Kane, qui maintenant était mort, restait-il un espoir? Il fallait que je trouve Yanos au plus vite. Je n'osais imaginer ce que présageaient ces tremblements menaçants. Où est la porte? Où est cette stupide porte? Où est madame la porte? Oui. Ben, là. C'est ça. Les puissances tribales.
Vas-y, passe, Raziel. Non, vas-y, non. Le paix. L'éclateur d'âme, fais ta mission. Un petit problème. Un bug là. C'est incroyable. Ah là, d'accord. Mais comment ça t'es là pour le 20e épisode de Défiance? N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, c'est pas fait sur ce, à plus.